tenu des messages qui ont été diffusés par le réseau électrique français sur des possibles ruptures, des possibles coupures, nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RTE. D'avoir une coupure énergétique subie, impromptue, avec des conséquences sur l'outil de travail. Ça pourrait avoir des conséquences industrielles importantes. Nous, quand on s'efface du réseau, on enlève la consommation de l'équivalent de 1000 foyers. En cas de rupture d'approvisionnement électrique soudain, on pourrait avoir les machines qui restent bloquées en bas, impossibilité de redémarrer avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc on ne peut pas prendre ce risque. Si risque de coupure, il faut qu'on l'arrête. Vraiment. Qui était la première semaine de fonctionnement décalé pour l'usine, on a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros. Mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés en prime de nuit, en panier de nuit, etc., en fait, la quasi-totalité de notre économie part dans les salaires. Quand ça fait des années qu'on n'a pas fait de nuit, bah forcément c'est dur. Bon, forcément, ça fait un petit peu plus sur la paye, mais moi ça va, j'ai de la chance parce que j'ai mon grand-père qui peut me garder les enfants, mais si c'était pour une nourrice, bah en fait on les mettrait pour la nourrice. Tant que ça reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler, moi personnellement je veux bien le faire. C'est regrettable quand même quand c'est pas des horaires qui sont normaux.